Alors, je voudrais encore dire bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais donner une vidéo, mais demain, ce sera le jour où l'enseignement sur le mariage est là. Donc, déjà demain, apprêtez-vous à voir encore sur ma page la connaissance de nous, le voile des mystères. Que Dieu nous bénisse encore ce matin. Je veux saluer au passage mon ami Alain Souloua. Voilà. Et tous ceux qui de près comme de loin me suivent depuis. Merci à ces différents abonnés, à tous ceux-là qui regardent ces vidéos. J'attends le quota des abonnés que je voudrais. Je vous donne des recettes. Le monde chrétien est pauvre. En connaissance, le monde chrétien ne connaît pas du tout. Mais il faille qu'on vous dise certaines vérités. La Bible dit, cherchez, vous trouverez. Ok. Alors, vous connaissez bien le jatropha blanc. Cliquez sur Google, vous allez voir. Jatropha blanc. Il y a deux sortes de jatropha. Il y a le rouge et il y a le blanc. Le blanc là, il y a un liquide blanc comme ça qui sort quand tu casses la branche, ou bien tu casses, tu enlèves le fruit, il donne un fruit vert. Ou bien tu enlèves une feuille, il y a un liquide tout blanc qui sort. Alors, donc, ce liquide blanc, il sert à quoi? Quand vous avez ce qu'on appelle le zona, et que nous avons en langue vulgaire appelé ceinture, quand vous avez le zona là, c'est simple, qu'est-ce que vous allez faire? Prenez le liquide blanc qui coule quand on casse la branche, ou bien on enlève le fruit, ou on enlève la feuille là. Le liquide blanc là, il faut prendre, frotter ça sur la partie du zona qui est sorti là. Frotter dessus. Pour soigner le zona à 100%, écoutez bien, ça c'est un cadeau. Prends l'eau, le liquide blanc là, frotte ça sur la partie extérieure, c'est-à-dire dehors ici. Maintenant tu prends les feuilles, il ne faut pas ajouter l'eau dedans. Prends les feuilles, écrase les feuilles comme ça. La pâte là, mets un peu d'eau tiède. C'est quand tu finis que tu mets l'eau tiède. Cette pâte là, prends ça. Il ne faut rien mettre dedans, il faut purger. Tu peux purger avec un jour d'intervalle. Mais quand tu mets le liquide sur le côté extérieur là, sur la face visible là, au bout de 7 jours, avant les 7 jours même, ça va se cicatriser. Maintenant, tu prends les feuilles là, que tu écrases la pâte des feuilles là, maintenant ça avec un peu d'eau tiède, il faut le purger. Ça tue le liquide tue les plaies extérieures et le liquide contenu aussi dans les feuilles ici, tue alors les plaies intérieures. Voilà le médicament du zona. Ça, il te soigne à 100%. Parce que le zona là, ça, on lance ça. C'est une maladie mystique. À partir du zona, d'autres maladies se réveillent. C'est ce que vous ne savez pas. Donc le zona, il couvre des maladies. C'est pourquoi quelqu'un qui a le zona, on peut détecter après qu'il a le sida. Ou bien après qu'il a le diabète. Donc ceinture là. C'est la terre qu'on appelle ceinture là. Ce n'est pas une maladie qui vient subitement de façon normale. Non. Dans la logique là, ça ne vient pas comme ça logiquement. Mais on lance ça sur quelqu'un. Alors pour aujourd'hui, voilà où je m'arrête. Demain, ce sera le grand rendez-vous. Ce soir alors, je vais accorder mes violons. Et puis demain, on va s'asseoir. Mais la vidéo peut se faire en deux ou trois parties. Parce que je n'ai pas assez d'espace sur mon téléphone. Il faut que je fasse certaines choses, tout et tout. Oh, il y a des choses que j'ai calées là, que je dois encore recopier, tout ça. Voilà. Et donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Et puis, nous sommes à la prochaine.